plus belle manière avec ben voilà, cette. Salim était, autant pour moi, Salim était blessé, je viens de me rappeler. Il s'était fait les croisés également. Je savais qu'il était blessé. Oui, oui, deux blessés. Non, oui, au final, c'est deux retours à blessure. Oui. Alors, moins de 84 kilos. Là, il y a déjà du beau bébé. Hein. Oui, non, les plus, ça c'est les plus, ça y est. Les mois, c'est avec Jessie. Là, c'est les plus de 84. Là, c'est la dernière catégorie. C'est le maximum qu'on ait en karaté, plus de 84. Mais oui, effectivement, ils sont assez imposants. Soit l'un ou Salim Bediab a fait son entrée le premier. Et voilà, Deli Filali. Petit choc de génération aussi, hein, puisque Salim a 31 ans et face à lui un beau bébé. Bah, Salim avait d'ailleurs été champion du monde par équipe à Bercy en 2012 quand l'équipe de France avait organisé les championnats du monde et avait fait voilà, une compétition magnifique. Donc c'est vrai que Salim est plutôt de l'ancienne génération entre guillemets et Mehdi la nouvelle génération, mais aussi très performant puisqu'il a. Il a beaucoup déjà de médailles internationales. Et d'ailleurs, à l'Open de Paris, il a déjà fait deuxième et troisième en 2018 et en 2019. Voilà. Là, pareil, à lui aussi, il lui manque que l'or. C'est ça. Voilà, on se voit, il salue. Et là, c'est parti. Salut, ça va? Ouais. Bon, je ne te parle pas pendant 3 minutes. D'accord, moi non plus. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, voilà. C'est aussi ça la beauté du sport, je crois, c'est de pouvoir se donner à fond sur un tatami et que ça reste sur le tatami et en dehors. On fait la part des choses et on peut être totalement voilà, collègue, ami et se faire la guerre sur le tatami. Ça reste oui, dans le sport et dans l'état d'esprit de compétition. Le combat est lancé, là on voit qu'ils ne perdent pas de temps les deux. Non. Ça ne marque pas, mais ça teinte. Corps à corps, on va séparer les deux. Voilà, l'arbitre arrête le combat et relance. Pour le moment, des techniques de points, mais qui n'aboutissent pas. On a vu Salim qui s'est baissé. Technique de points, oui, alors, de Salim. Au visage. Et je crois que Mehdi a contré au corps. Donc, ouais. Le point est attribué à Salim parce que les arbitres de chaise ont vu. Mais la vidéo review est demandée donc, par le coach de Mehdi, qui est toujours le père de Dacosta, puisque Mehdi est licencié au club de Mont-Saint-Martin, qui est le club des Dacosta. On va voir si la vidéo c'était bien précis. Effectivement, ouais. Effectivement, il y avait aussi le contre de Mehdi, donc on est sur un score de 1-1. Il a l'œil et le bon, Dacosta ouais. Père. Magnifique contre de Mehdi, oui, effectivement. Salim m'a lancé, mais il était un peu court en distance et Mehdi a tout de suite contré, c'était un peu une relance. Il a laissé passer le coup de Salim et a relancé sur une technique de point au visage. Donc il prend l'avantage 2-1 et il prend le Sunshu. Donc si jamais il y a un score de 2-2, c'est Mehdi qui a l'avantage. Ah, technique, oui. Technique de point au visage de Salim et demandé par son coach à la vidéo review. On va voir si le point est effectivement attribué. Il y a une action, mais c'était pas effectivement pas très clair. Donc, à voir s'il était précis. Il a eu l'air, en tout cas, de dire à son coach. Oui, ouais, il avait l'air d'être certain. T'as bien fait, j'ai touché. Après, c'est vrai que ça va tellement vite, là, comme on voit c'est sur vrai, les images de Thomas Moutos et les équipes de Stop and Go. Pouf. On voit Mehdi qui avait lancé la technique mais qui était peut-être passé un peu à côté. Donc c'est pour ça que son coach n'a pas demandé de vidéo review. Mais Salim, est-ce que ça paye bien? Les arbitres vont le décider à la vidéo review. Effectivement, il lance un bras avant dans l'action. Voilà. Est-ce que ce point-là, voilà, que vous voyez là, ici, bam, point avant, bras droit, qui est attribué. Bravo, bien vu du coach. Donc on revient à 2-2 ouais. Pour Salim, mais toujours le petit avantage pour Mehdi. Donc Salim a toujours un petit travail à faire pour aller chercher ce point-là et prendre l'avantage. On sépare, pas de corps à corps en karaté. Les deux restent dans une distance quand même assez dangereuse. Comme vous voyez, ils sont assez près et les deux peuvent oui. attaquer à tout moment. Donc voilà, aucun...
ils se mettent pas à l'aise, ou Mehdi qui a quand même un avantage reste dans une distance de danger, donc il est prêt à attaquer, je pense, prêt à contrer en tout cas. Oui, c'est Mehdi, tout à fait, ouais. Mehdi était sur le recul, mais il a pris un petit contre-temps de Salim sur l'avant pour relancer et marquer sa technique de point au visage. Donc ça nous fait 3-2 pour Mehdi, mais le coach estime que Salim a marqué simultanément. Donc la vidéo review est de nouveau demandée par le coach de Salim, et on va voir si ça lui permettra de recoller. Effectivement, le point est attribué, c'est donc validé. On recolle à 3-3, là comme on a vu dans l'action. Mehdi marque et Salim a relancé tout de suite derrière sur une technique de point, ce qui nous fait 3-3. Technique de point de Salim de nouveau qui marque. Cette fois-ci, les arbitres de chaise, les 4 lui donnent le point. Et c'est Mehdi, le coach de Mehdi, qui demande la vidéo review. Voilà. Donc là, c'est un jeu de points vidéo review. On va voir si. C'est vrai que ça va tellement vite. Oui, c'est vrai. Tellement vite. Il se passe tellement de choses là, quand il commence à enchaîner les deux. Là. Ouais, donc là on voit que Salim est passé au visage et Mehdi lui a filé dessous. C'est pour ça que sûrement les arbitres n'ont pas vu, mais c'est possible qu'il ait marqué ce point. On va voir si les arbitres de la vidéo review confirment ou pas. Et c'est confirmé. Donc voilà, on continue. 4-4. Main dans la main. C'est ça. Quentin marque, l'autre demande la vidéo et ça marque. Donc le combat est très 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 serré. Je sais pas jusqu'où ça va continuer, mais pour le moment ça ne veut pas se départager. C'est... Et les coachs ont l'œil aussi pour demander au bon moment ce point-là qui est important. Là, on voit, ça change tout un combat si le point n'est pas attribué. Action. Alors, il y a eu quoi ? Une tentative de point de Salim. Oui, le coach demande. Ouais. La vidéo. De nouveau. Et rien du côté de Mehdi. Donc, j'ai pas bien vu l'action dans le coin. Ouais, voilà. Oh. Mehdi qui passe à côté et Salim qui relance en sortie peut-être. Non, j'ai pas vu le point. Si, d'accord. Point. Voilà, ah oui, il y a eu un point, oui, point attribué. Gauche, plein visage. Ok, donc Salim prend l'avantage cette fois-ci. 5-4. Ça reste quand même une minute. Ouais, ça va pas en rester là. Voilà, Mehdi est plus offensif, comme on voit là. Qui doit aller chercher le point pour recoller au score. Technique de jambe est bloquée par Salim. L'arbitre sanctionne pour accrochage. Technique de point de Salim de nouveau qui marque au visage. Et la vidéo review est demandée par le coach de Mehdi. Ouais, parce que Mehdi pense avoir touché. Ouais, toujours un contre. D'Acosta, si papa D'Acosta aussi. Donc il demande la vidéo. Ouais, c'est ça. C'est à peu près la même action que la précédente. Salim qui vient au visage et Mehdi qui passe dessous sur un contre un peu en simultané. Mais il n'arrête pas de passer dessous aussi. C'est pour ça que ça se voit moins. c'est vrai, mais au final, ça paye. Au final, ça paye, bien sûr. Un tout petit peu plus petit, quoique. Et peut-être c'est pour ça qu'il est plus à l'aise en dessous. Le point est attribué de nouveau. 5-6, ça continue d'être très très serré. Petit avantage pour Salim. Ouais. Petit avantage et 30 secondes encore de combat. Technique de jambe de Salim, juste pour tenir à distance. Là, il essaie de gêner, il ne reste pas longtemps. Point demandé. Alors oui, monsieur D'Acosta, l'entraîneur. Un point au niveau de du visage. Mehdi qui a vu que son protégé avait touché au niveau du cou. Ouais. Et oui, c'était sur une relance du coup après. Ah non. Non, le point n'est un pas donné court, cette fois-ci. Un petit peu court, ouais, c'était peut-être. Court. C'était court. Donc Mehdi perd la vidéo review et il reste 10 secondes. Donc là, il faut qu'il aille chercher son point. Effectivement, c'était un peu court sur cette action. Donc Salim sort, ça fait 2 pénalités. 3 même parce qu'il sort dans les 15 secondes. Donc il a 3 pénalités maintenant, plus qu'une et il est disqualifié. Oh. Pas d'erreur. Magnifique point de Mehdi qui va chercher au visage et qui recolle au score. Ah, la vidéo review est demandée de nouveau par le coach de Salim. On continue le jeu de je marque, tu marques. Donc on ça est se à 6. C'est comment manquer la vidéo dans oui. le karaté. C'est vrai que quand c'est comme ça, c'est assez. C'est assez déstabilisant, assez drôle, mais effectivement, beaucoup de points étaient oubliés. Eh oui, moi, non, c'était assez frustrant. Pour ceux qui marquaient, le point est attribué. Ça a fait 7-6.
toujours petit avantage à Salim. Il reste 6 secondes à Mehdi pour le coller au score. Je pense qu'il va. Voilà, ouais. Ouais, il faut qu'il aille chercher ce point-là. Sinon, ça va être compliqué. Ah, Yamé. L'arbitre arrête le combat. Et l'arbitre. Ah, là, 7-6. Je me demandais s'il allait avoir peut-être une pénalité. Mais Salim l'emporte. D'un point. Une belle gestion. Un combat très accroché entre les deux. Ah là là, oui. Ils ont tout donné, tous les deux, là. Mehdi, voilà, assez fatigué, je pense qu'il a tout donné, que ce soit psychologiquement et physiquement, donc bravo à lui. Oui, bravo, parce que du haut de ses 22 ans, il a fait trembler, vaciller, l'expérimenter Salim Bendiab. Mais... Et c'est un beau retour aussi après blessure, faut pas aussi. Oublier, c'est jamais simple, c'est vraiment jamais simple, bravo à lui. On en reparlera de Mehdi Fidali, parce que ouais, c'est un beau combattant. Là, on voit forcément repartir tête basse, très très déçu, parce que là aussi, il y avait une énergie, une énergie de fou. Là, sur, les deux sur sont battus jusqu'au bout, beaucoup, vraiment engagés, beaucoup d'action. Grosse intensité. Entre ces deux garçons, et c'était donc le dernier titre attribué dans ces combats, dans ces finales de combat. Et maintenant, on va retrouver les katas, les katas par équipe. Alors là, restez bien là parce que c'est très, très spectaculaire. Je vais remercier énormément Sofia d'avoir été là. Avec grand plaisir. Ça a été un grand, grand plaisir. Vous m'avez appris et vous avez certainement appris à plein de gens beaucoup de choses sur votre sport. Ouais, j'espère.